Tu es là. Bonjour. Ah, bonjour, mec. Comment tu vas? L'ampoule que j'ai achetée chez toi, mec, elle n'est pas bien. Elle est grillée, mec. Elle s'est grillée toute seule. Ne t'en fais pas, je te donnerai un autre. Ceci est un nouvel arrivage. Est-ce que tu es sûr que celle-ci est bonne, mec? Je venais de l'acheter. Car je veux ce qui est bien, mec. Je ne veux pas ce qui va encore se griller, mec. Je peux prendre celle-ci. D'accord, je vais prendre ces deux-là. Je vais les prendre. Ok. Tiens, c'est ça. Ok, merci. Tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Maman, comment se porte-t-il aujourd'hui? Pas bien du tout. Il n'y a aucun changement. Il n'y a vraiment aucun changement, pas du tout. Il a dit qu'il voulait te parler et puis on attendait que tu reviennes. Je suis là maintenant. Mon fils, comment était le travail aujourd'hui? Le travail se passe bien. Je t'ai dit de ne plus te faire du souci pour mes affaires. Tout se passe bien. Le plus important maintenant, c'est ta santé. C'est le plus important. Comment te sens-tu? Mon fils, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'espère que tu ne vas pas commencer à me dire que tu vas rejoindre tes ancêtres. Non, pas ça, mon fils, pas ça. Mon fils, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Je ne suis pas en train de rajeunir. Et mon état de santé s'aggrave tous les jours. Mon fils, je t'en prie, trouve-toi une femme. Afin que je puisse voir mes petits-enfants. Je t'en prie. Les petits-fils, comment vais-je faire? Est-ce une moquerie? Tu connais dans quelle situation je me trouve? Comment veux-tu que je trouve une femme? Regarde dans quelle situation nous sommes. Est-ce possible? Hein? Oh. Mon fils. S'il te plaît, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Au nom de tout ce que tu as. Accorde-moi. S'il te plaît, accorde-moi cette faveur. Je t'en prie, mon enfant. Oh, Dirabiko. Réalise le vœu de ton père, s'il te plaît. Regarde-le. Son état ne fait que s'empirer et il vieillit. Oh, maman, arrête avec ces histoires de vouloir des petits-fils. Hein? Comment peux-tu parler de petits-fils? Comment vais-je le faire? Ok, si tu as une solution, pourquoi tu ne me le dis pas? Puisque ça a toujours été ton plus grand souhait. Je veux savoir. Comment vais-je faire? Tu sais quoi? Je ne peux pas le faire. S'il te plaît, c'est au-delà de mes moyens. Mon fils, je sais ce qui te dérange. Je sais très bien ce qui te dérange. Ton père t'a demandé une faveur. Mais selon moi, je ne pense pas qu'il en demande trop. Papa aurait pu me demander autre chose. Et non quelque chose qui soit presque impossible. Maman, tu ne sais pas pour quelle raison j'ai quitté Essen.
C'est à cause de mon état. Écoute, maman, je ne voudrais plus subir une déception amoureuse. Je ne le veux plus. Mon fils, c'est à 100% possible que tu épouses une femme et que tu aies des enfants. C'est de cette manière que tu m'as fait tourner en rond il y a de cela quelques années, qu'un guérisseur pouvait me soigner. Je l'ai fait, mais rien ne s'est passé. Pourquoi veux-tu me rappeler ces choses tout le temps? Écoute, j'ai décidé de mener ma vie comme je l'entends. Et je m'y plais. Puis-je avoir la paix pour une fois? Hein? Tu parles toujours des mêmes choses. Odira, ceci est très différent. Ceci n'est pas un problème spirituel. Crois-moi, c'est différent. Regarde la condition de ton père. Je suis sûre que tu te souviens de ce qui l'a rendu ainsi. Cet homme a tellement souffert. Il a sacrifié tant de choses pour sa famille. Et je pense que nous lui devons énormément de choses. Je me ferai toujours blâmer pour la situation de mon père. Oui, je suis responsable de son état de santé. Je le sais très bien. Et je suis d'accord. Mais est-ce la raison pour laquelle mon père devrait me traumatiser psychologiquement? Hein? Est-ce une raison? Ce n'est pas une raison. Odira, maman. Écoute, personne ne t'en veut pour la condition de ton père. Mais regarde son état. Toi-même, regarde. Regarde dans quel état il se trouve. Un jour, nous allons tous mourir, ton père et moi. Et nous ne voulons pas te voir seul, livré dans ce monde. Nous voulons te voir heureux. Salomon. Est-ce que les choses devraient se passer comme tu veux tout le temps? Est-ce une obligation? Ah, pardon, maman. J'ai passé une journée très difficile et j'ai tellement mal à la tête que la seule chose que je veux, c'est de pouvoir me reposer. Je t'en prie. Odira, calme-toi. L'amour est un sacrifice. Oh, mon Dieu. Odira. Qu'est-ce Odira, que tu ne comprends pas? Ton père s'est sacrifié et nous devons aussi nous sacrifier pour lui. Okay. Fais-le juste une fois. Bikono. Comme je l'ai d'abord dit, j'ai passé une journée très difficile. Je voulais juste me retrouver dans la nature pour discrétiser. Maman, oh, arrête non, hein? Est-ce que tout doit se passer comme tu le veux? Est-ce une obligation? Ah, arrête de m'en parler, car tout ne peut pas se passer comme tu le souhaites. Biko, j'ai eu une journée très difficile et je voudrais juste me reposer, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, arrête avec tout ça. Hein? Arrête avec tout ça. Je suis fatigué d'entendre ça. Je ne te tourne pas le dos, voilà ce que j'évitais. Et tu as décidé de me faire du chantage affectif. D'accord, je reviens m'asseoir. Mon fils, tu me tournes le dos? Papa. Bonjour, mon fils. Comment tu vas ce matin? Bonjour, maman. Je dois aller à la boutique. J'ai rendez-vous avec l'un de mes clients. C'est bien, mon fils. Je t'en prie, continue comme ça. Nous sommes vraiment fiers de toi. Mais, fils, je t'en prie, considère ce que j'ai dit. Hmm? Considère ton père. Avant que la mort ne me prenne et que j'aille rejoindre nos ancêtres. Ah, mais s'il te plaît, arrête de parler de la mort. Ne dis plus ce genre de choses, Biko. Papa,
Tu ne mourras pas maintenant, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Je vais faire ce que tu veux, mais le problème est de savoir comment vais-je m'y prendre. Je n'ai personne à qui parler. Même si j'avais une femme, ça ne sera pas juste de voir la fille depuis du matin au soir, tous les jours, et ne rien faire. Ne t'en fais pas pour ça. Fais juste confiance en ta mère et à moi. Hmm? Et on se chargera de tout. Fais-nous confiance. Faire confiance? Comment? Papa, vas-tu coucher avec ma femme et l'enceinte? Mon Dieu! Ça va, Nico. Bois de l'eau. Bois de l'eau, ok? C'est une abomination. Papa, mais je suis désolé. Franchement, pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Mais maman, de quelle aide parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de Médée? Mon fils, écoute mon fils, nous allons nous arranger. Surtout ne t'inquiète pas, hein? Ok, pas de problème. Je vous verrai quand je serai de retour. Papa, tu iras bien. D'accord, bonne journée. Je ne le ferai pas, maman. D'accord, maman. Mm-hmm. Bye-bye. Mon fils, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de prendre de l'âge. Et ma santé se détériore de jour en jour. Je t'en supplie, trouve-toi une femme et permette que je puisse voir mes petits-enfants. Je t'en supplie. Les petits-fils. Papa, comment le fais-je le faire? Tu te moques de moi? Tu connais ma situation actuelle. Comment espères-tu que je trouve une femme? Est-ce possible? Hein? Oh. Mon fils. De rien. Merci pour tout ceci. Je sais. Je sais que tu aimes bien ça. Je savais que tu allais aimer. Merci beaucoup. Ezo. Comment était le marché? Ce n'était pas mal. Dieu merci. Mon fils. Ok. Je veux savoir. J'ai trouvé une bonne femme pour toi. Et elle a même accepté de t'épouser. Maman, ce n'est qu'aujourd'hui que j'essayais de réaliser le souhait de papa. Et tu m'as déjà trouvé une femme que je devrais marier. C'est bien. J'ai hâte. Je ne peux plus attendre. Je veux te voir avec une femme. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu planifies ceci depuis? Non. Maman. Tu as raison. J'avais tout planifié, ton père et moi. Attendons juste que tu acceptes de l'épouser. Mon fils, nous voulons des petits-fils. Regarde l'âge de ton père et mon âge. Nous ne sommes plus si jeunes. Des petits-fils qui ne seront pas ceux de ton fils, n'est-ce pas? Oh. N'est-ce pas? Nous devons rendre grâce à Dieu. Car nous avons trouvé une solution à ce problème. Quelle solution? Une solution qui va toujours me rappeler qui suis-je? Une solution qui me fera toujours penser à mon état? Ou alors tu voudrais que j'épouse la fille de Chloé pour qu'un autre homme, vienne faire l'amour avec elle pour l'enceinter? De quoi est-ce que ça aura l'air? Je comprends à quel point cette situation est difficile. Mais remercions le Dieu Tout-Puissant de trouver une solution. Hein? Nous avons besoin de petits-fils. Des petits-fils qui ne seront pas ceux de ton fils. C'est ce que tu veux. C'est la seule solution. Maman, cette solution me fera toujours penser à mes problèmes. Une solution qui me fera toujours penser à mes problèmes. C'est ce que tu veux. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour papa et toi de comprendre ça? J'aurais voulu que vous me compreniez. Borusu Wadeye. Tu me dis tout le temps que l'amour demande beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Je vais faire cela pour papa et toi.
et non pas plaisir. Je ne veux pas le faire, mais je le ferai pour papa et toi. J'espère que c'est bon. Ah, tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. Je sais ce que je fais. Je viens de sacrifier mon seul bonheur et ma seule fierté. Je le sais, maman. Ne dis pas que je n'en sais rien. Merci, mon fils. Voilà, mange. Oh, ma fille. Merci d'être venue. Oh. Ici, c'est ta maison. Elle est très belle. Elle est vraiment merci, magnifique. Maman. Maman, vous êtes là? Oui, mon fils. Ah, je vois que vous êtes en compagnie. Ah. Ma magnifique épouse. Oui, oh. Je vois vraiment que j'ai beaucoup de chance. Comme ton père. Ma fille. Papa. Sois la bienvenue. Merci. Ton mari est un parfait gentleman. Et je sais que tu te sentiras bien. Et nous sommes ici, eh bien, pour nous assurer que tu es un bon foyer. Et s'il y a un souci quelconque, n'hésite pas à nous en parler. Merci, maman. Et en plus, tu es très bien. Now. Maman. Ben non. Amène-la maintenant dans la chambre. Oui. Chambre? Amène-la dans ta chambre. Mon amour. Oui. J'arrive. À plus tard. Il faut la joindre la chambre. Il faut aller. Va dans ta chambre. Maman, pourquoi est-ce que tu veux me faire honte? Comment ça te fait honte, non? As-tu oublié que je ne fonctionne pas très bien? En plus, elle est... Ça sera sa première fois d'aller avec un homme. Laisse-la se reposer, s'il te plaît, maman. Tu devrais. Il serait mieux de la laisser se reposer, s'il te plaît, maman. Ok. Pas de problème. Nous allons attendre. Mais tu dois aller la retrouver dans la chambre. Mais tu sais que je ne pourrai rien faire. Vas-y quand même, va la retrouver. Odera, quel est le problème? Sérieusement, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est notre première nuit en tant qu'un couple marié. Mais tu n'as pas l'air de vouloir me faire l'amour. Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas? Tu ne m'aimes pas assez. Odera, nous devons faire l'amour. Dis-moi, je ferai tout juste pour que ça se lève. Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Odera, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tu es silencieux depuis la nuit dernière. Tu n'as rien dit, s'il te plaît. Parle-moi. Dis-moi ce qui te dérange. Rien. Ne va bien. Non. Ce n'est pas rien. Toi et moi savons très bien que quelque chose ne va pas. Je veux dire, regarde-toi. Ça se voit sur toi. Peut-être que je suis juste stressé. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Je suis à présent ta femme. Et je dois savoir ce qui préoccupe mon mari. Pour qu'on puisse te résoudre comme un couple. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Comme je l'ai dit plus tôt, tout va bien.
Odera, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ifi. Maman. Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Ah. Viens, maman. Assieds-toi. Non. Je vais rester. Maman, comment peux-tu t'asseoir là-bas, non? Maman, s'il te plaît. Apporte ça, je vais t'aider. Non, maman, j'ai presque fini, ne t'en fais pas. Ok, laisse, on va le faire ensemble. Ok, merci. Ma fille. Oui, papa. J'ai remarqué que tu as des petites disputes avec mon fils depuis que tu es dans cette famille. Je ferai en sorte, eh bien, que tu te sentes le plus à l'aise possible. Je sais, papa. Mais il y a une limite au bonheur que maman et toi me donnez, et ça, vous le savez. Et ça, je le respecte. Ma fille, je comprends tout. Et mon fils aussi le comprend. Et surtout avec les défis qu'il traverse. Tout ira bien. Je suis désolée, maman, mais je ne comprends pas. Quel défi? Ah, ah. Je ne le sais pas. Odera. Mon fils, hein? Ah. Attends, tu ne lui as pas dit? Eh bien, je l'ai toujours dit. J'avais eu un accident. Et j'étais tombée d'un arbre. Oui, mais c'est depuis des années. Quel est le rapport? Eh bien, j'avais perdu ma virilité. Quoi? Oui. Ma fille. Ton mari ne peut se mettre en érection. Désolée. Écoute. Nos ennemis sont venus pour le prendre. Mais Dieu l'a sauvé. La seule chose qu'ils ont pris chez lui, c'est sa virilité. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas mentionné tout ceci avant de m'épouser? Tu veux faire de moi l'objet de toute moquerie dans ce village? Pourquoi me traite de stérile pour le restant de mes jours? Odera, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi. Nous allons absolument te gérer. Eh bien, sache que tu auras autant d'enfants que tu voudras.
Personne ne se moquera de toi et personne ne va t'appeler femme stérile. Mais comment cela va-t-il arriver? Comment? Comment? Essaie juste de nous comprendre. Nous voulons tous votre bien. Ce n'est pas comme si on devait amener un étranger. C'est juste une personne proche, une parenté. C'est notre sang. Attends. Donc tu dis que je serai mariée à Odira et que je vais coucher avec un autre homme? Donc c'est... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Je l'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu trouves? C'est très terrible. Puis je suis désolé si tu te sens déçu par nous. Dieu sait que ce n'est pas intentionnellement. Est-ce que c'est censé me faire me sentir mieux? Odira, est-ce que c'est censé me faire me sentir mieux? Si ce n'était pas intentionnel, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant qu'on ne se marie? Est-ce que je t'ai caché quoi que ce soit? Non, tu ne l'as jamais fait. C'est la raison pour laquelle je t'ai un peu distant. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire partie des plans de tes parents. C'est une grosse insulte de ma personne et ma dignité en tant qu'une femme. Et une vierge! Je le sais. Et ils le savent aussi. Et c'est pour cela que ça sera entre nous et cet homme. Aux yeux des villageois, cet enfant sera considéré comme le nôtre. Nous serons ses parents. Pour un homme dans ma condition, c'est la meilleure des choses à faire. S'il te plaît. Non. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas avoir des rapports avec un homme qui n'est pas mon mari. Je ne le ferai pas, Odira. As-tu pensé à ce que je ressens? As-tu pensé à quel point cela m'affecte? Ou alors, tu te fous de ce que je peux ressentir? Oh, Wally! Odira, tu es un homme intelligent. Nous savons que cet enfant que je vais porter ne sera jamais le tien, ni même le petit-fils de tes parents. Alors de quoi parles-tu? Écoute, tu es juste égocentrique, Odira. C'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire. Mama, je ne peux plus supporter ce mariage. Je te l'ai déjà dit, s'il te plaît. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère. Ne me fais pas ça. Ne fais pas ça à ta pauvre mère. Qu'est-ce que les gens de ce village diront de moi? Que diront-ils de moi? Pardon. Regarde ta sœur qui a divorcé il y a de cela 2 ans. Et maintenant toi, que vais-je faire? Les gens diront que nous sommes maudits. Ils croiront qu'une malédiction nous suit. Non, pour l'amour de maman, Dieu, non, je ne fais pas ça. Que tu es en train de faire. S'il te plaît, maman, lève-toi. Lève-toi, maman. Arrête, lève-toi. Pourquoi cette vie est si cruelle? Ça suffit. Que vais-je faire? Pardon. Pardon, ne me fais pas ça. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Tiens. Maman, je n'en veux pas. Je suis en train de partir. Tu ne veux pas? Merci quand même. Bonjour. Ma sœur, te dire quoi? On dirait que je n'ai pas de choix. Je veux dire... Je ne veux pas être une femme divorcée, non? Hein? Je veux que ce mariage soit le premier mariage et le dernier jusqu'à ce que je meure.
Et je voudrais aussi aider mon mari. Je sais que il m'aurait peut-être menti, mais crois-moi, Odera, c'est vraiment un homme bon. Ok. Mais je pensais, et pourquoi pas, une insémination artificielle. Une insémination artificielle? Avec quel argent? Cette maison ressemble-t-elle à une maison qui pourrait me permettre de faire une insémination? Ça, il n'y a pas d'argent pour ça. Oh. Je te comprends. T'inquiète, Dieu pourvoira, ok? Je garde la foi. Je garde bien. La foi. Merci. Ça ira. Ah. Mon fils, tu as vu le drap, n'est-ce pas? Oui, le drap est propre, j'aime beaucoup. Et tu l'as vu, n'est-ce pas? J'espère que tu l'as bien fait. Ok. Ce n'est pas seulement. Ça ne sera pas non plus facile, tu sais. Tu sais que nous t'avons promis quelque chose. Voilà l'argent qu'on avait promis de te payer pour tes services. Prends-le, ok? Bien. C'est complet, n'est-ce pas? J'espère que tu feras très bien le travail, n'est-ce pas? Ah. Ah, maman, avec ça, je le ferai avec grand plaisir, tu sais. J'espère juste d'accord. Que Dieu va bénir nos plans et que ça aboutira. Oui, maman. Maman, qu'en est-il de ton mari? Est-il là? Il doit être en train de dormir. Ok, j'aurais souhaité lui dire bonjour. Je sais qu'il aurait voulu qu'on ait une très longue conversation, mais je reviendrai. Ouais, il faut que j'y aille. Je lui dirai. Oh, oui, maman. S'il te plaît, fais un très bon travail. D'accord, maman. Je commencerai à travailler demain. La raison pour laquelle nous t'avons choisi, c'est parce que nous avons le même maman. Sang. Nous avons le même sang. Maman, je ferai de mon c'est mieux. C'est bien. Oui, je ferai de mon mieux. Okay, il faut que j'y aille. Oba. Merci. Oh. Babayo. Je te donnerai de très beaux enfants. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Écoute. Je vais faire mon job. Ce n'est que du business. Je ne te ferai pas de mal. Amara, après m'être préservée pour le mariage, préserver ma virginité,
pour mon mari. Prions tous les jours pour un mariage sans larmes. Aujourd'hui, c'est ici que la vie a décidé de m'amener. Amara, j'ai donné ma virginité à un homme qui n'est pas mon mari. Étant encore mariée, ah, cette vie est totalement injuste. Ça va aller. Je ne sais pas comment je me sentirai, mais je prie que ça se termine bien pour toi. Et j'espère vivement que Dieu t'aidera. Je l'espère. Ça va. Je l'espère vraiment. Ça va. Ça ira, d'accord. Odera, mon frère. Ça fait un bail. T'es là. Comment tu vas? Que veux-tu dire? Que je ne vais pas bien? Je vais bien. Écoute, Odera, tu n'as rien à craindre, ok? Écoute, bientôt, très bientôt, tu auras des résultats, car je m'applique vraiment à lui faire ça comme il faut. Je jure pas! Odera! Odera, t'es sûr que tout va bien? Je vais bien. Juste les soucis au travail. Odera, laisse le travail. Écoute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est entrer là-dedans et lui faire l'amour parce que c'est ta responsabilité en tant que son mari. Oui, voilà ce que tu devrais faire. Est-ce qu'elle est là? Elle est dedans. Ah, ok. Je vais aller faire mon job. Je te vois plus tard. Is this life that I'm living? I've been meaning to ask myself, when all these things will be over. I feel depressed, frustrated. Onyekamka kolowam, the shame is much unaccepted. Abono kansija. What is life without happiness? Ooh, it's better to die than to live this way. I feel like I'm fading away. Every day without a smile, things keep getting worse. See myself with a way. Ça fait plusieurs heures qu'ils sont à l'intérieur. Est-ce la douleur? Oh, Ife et Shinike, pourquoi est-ce qu'ils durent tant? Let me take my life, it's meaningless. What is life without happiness? It's better to die than to live this way. Better to die. Oh, what is life without happiness? Just the shame is much. I can't bear this. It's better to die than to live this way. I wish it could be over someday, somehow. Odera? I wish it could be over someday, somehow. Je suis ici depuis. Bah. Ok, il faut que j'y aille. Comme tu le vois, je suis exténué. Ife, je reviendrai demain pour continuer le travail, d'accord? Mon mari, bienvenue. Je ne savais pas que tu étais déjà rentré. Tu n'es plus parti à... Je ne suis plus parti. Et même si j'étais parti, je serais rentré depuis. Ok. Oh, Ife, donc, vous avez vraiment pris votre temps cette fois-ci. C'était sûrement parce que tu croyais que je n'étais pas là. Ife, donc, tu prenais du plaisir. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « je prenais plaisir » hein? Tu devrais t'entendre, Ife. Hey, tu étais dans le septième ciel.
Au septième ciel, tu gémissais. Hein? Papa. Oh, papa. Oh, papa. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu aurais dû t'entendre. Les noms par là, calcul appelé. Oh, daddy. Oh, daddy. Y'a baigné, y'a baigné. Et pourtant, tu n'étais pas d'accord avec cette idée, disant que c'était une abomination et que ça allait piétiner ton ego. Et maintenant, tu prends du plaisir. Attends un instant. Donc, tu étais justement en train de nous espionner. Mm-mm. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Ok. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Pleurer? Tu n'aurais dû pas. Tu n'aurais dû pas pleurer. Tu ne devais pas pleurer. Et puis, tu ne devais non plus gémir. Sois consciente. Sois consciente. Hein? Tu y prenais du plaisir. Et tu gémissais. Et tu ne faisais que dire là-dedans. Oh, papa. Oh, papa. Ah! Qu'est-ce que ça signifie? Odera, je n'aime pas ce que tu es en train de faire, oh. Je n'aime pas ce que tu fais, oh. C'est toi qui m'as forcé à le faire. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu veux me faire culpabiliser? Hey, tu prenais du plaisir. Je ne prenais pas plaisir. Tu prenais du plaisir. Je ne prenais pas plaisir. Tu le sais très bien que tu prenais du plaisir. Tu aurais dû entendre comment tu criais. Tu criais. Oh papa, oh papa, viens baigner, viens baigner. Est-ce que c'est un viol? Tu voulais que je pleure? Hey, ce gars, ok, il ne faisait que tu dis de bien écarter. Écarte bien, écarte bien. Ah, oh la crieuse. Que signifie ceci? Odera, je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas le fait que tu essaies de me faire culpabiliser. Je n'aime pas ça. Ifi, tu n'es pas gentil. J'aurais souhaité avoir un téléphone pour enregistrer ta voix. Et tu aurais dû entendre ce que tu disais. Ah? Allô? Oui, je suis actuellement à la boutique, s'il vous plaît, apportez la marchandise. Ok? D'accord. Odera? T'as déjà ouvert la boutique? J'étais justement en train d'aller chez toi pour voir Ifi. Ah, il n'est que 12 heures. Non, ce n'est pas tôt. Ifi ne se sent pas très bien. Elle m'a dit que les médicaments qu'elle prenait ne l'aidaient pas vraiment, alors j'ai décidé de lui acheter ceci. Ah, Ifi ne se sent pas bien. T'étais pas au courant? J'ai juste remarqué quelques petits clous dans ses mouvements, mais je n'ai pas juste fait attention. Peu importe, ne te dérange pas. Que je ne te dérange pas? Ne me dis pas que tu ne fais pas attention à ta femme. Tu es son mari, et si tu ne peux pas assurer là où toi et moi on sait, tu dois être attentionné et au moins prendre soin d'elle. Tu devrais surveiller ta femme. Tu dois prendre soin d'elle. Je prends soin de ma femme. Et la nuit alors? Est-ce que tu prends soin d'elle dans la nuit? C'est moi qui m'en occupe. Je m'en vais la retrouver, ok? Je vais lui donner ça. Essaie de faire plus d'efforts. Tu es de retour. Je vais prendre ton sac. Bienvenue à la maison. Intéressant. C'est la première fois que tu me parles avec gentillesse depuis que tu es arrivée dans cette maison. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette réponse veut dire que tu n'avais jamais l'intention de me le dire. Imoke s'est arrêté à ma boutique avant de venir te donner les remèdes qu'il t'a achetés. Mon mari. La vérité, c'est... Je n'étais pas vraiment sûre que c'était une maladie. Je voulais être sûre avant de t'en parler. Désolée. Tu n'étais pas sûre que c'était une maladie. Comment ça? Le truc, c'est... Les remèdes que je prends généralement quand je suis malade, je les ai pris et ça n'a pas marché. Et je ne ressens pas souvent la même chose que je ressens quand j'ai le palud. Et la typhoïde. Mais d'après ce que je sais, c'est comme si je suis enceinte. Et Imoke est au courant avant ton époux? Non, je ne lui ai rien dit. Oh. Je te promets que je ne lui ai rien dit. Il a juste vu la manière dont je me comportais. Il m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai dit. Et il a décidé de m'acheter quelques médicaments. C'est... quelque chose que mon mari n'a jamais fait. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Ok. Je vois. Donc, comme ça,
On lui tend la main et prend le bras. Moke a été payé pour faire ce qu'il était censé faire. Il n'a pas été payé pour surveiller ma femme. Il n'a pas été payé pour se soucier de son bonheur et son malheur. Peu importe. Va, nous allons à la clinique maintenant. Alors tu dois aller à l'intérieur, te changer. Va à l'intérieur, te changer. C'est ce qu'un mari est censé faire, n'est-ce pas? Vu que je n'arrive pas à faire l'oncle, je ferai quand même ceci. Bayega yumono. Bayega nous. Mon mari, je croyais que tu as dit que Odera était déjà de retour. Ils m'ont dit qu'elle partait à l'hôpital. Hôpital? Oui. Et ils ne sont pas encore là? Oh, d'où est-ce que vous sortez? Ton père a dit que vous étiez à l'hôpital. C'est quoi le problème? Hein? Effectivement, nous sommes allés à l'hôpital. Ife m'a dit qu'elle avait le palu. Et qu'est-ce que le docteur a dit? Elle est enceinte. Hein? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Tu es enceinte? Oui, maman. Viens là, ma fille. Bam. Na, c'est une très bonne nouvelle. Hein? Écoute, tu seras bientôt père. Hein? Ah. Hé, hey, ah, je suis si contente. Merci, maman. Hey, va te reposer. Tantôt, je vais t'accompagner à l'hôpital. Maman, ne t'en fais pas. Va te reposer. Rien ne doit arriver à mon petit-fils, hein, né. Eh ouais. Hey. Comment vous allez? Tiens. Regarde ce que j'ai acheté. C'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Merci. Maman, la prochaine fois que je viendrai, c'est toi qui auras un cadeau. C'est moi qui prends soin d'elle. Non, j'ai besoin de ma part. Je sais, maman. Tu sais, Ify, dans 9 mois, il y aura un autre de mes cadeaux qui sortira de ton ventre. Ah, on sera il sera très beau. Et tu en mettras un autre. Un autre à toi. C'est clair. Je revenais comme ça du marché. Ok, bienvenue. Qu'en est-il de Dera? Il est au magasin. Il ferait mieux de vite rentrer de la boutique, car quand je serai de retour, nous allons grandement célébrer ça. Maman, il faut que j'y aille. Je dois vraiment filer. Merci d'être passé. Ok. Ouais. Oh, n'oublie pas mon paquet quand tu seras de retour. Ah, maman, je n'oublierai pas. J'achèterai ce que tu veux pour célébrer. J'ai sauté de joie quand j'ai appris la nouvelle. C'est une bonne chose que tu ne sois pas allé en route. Car après ceci, on aura encore besoin de 3, 4, oui, non, même si tu en veux 5, j'en suis capable. 6. Je t'en donnerai 5, maman. Maman, je vais y aller, ok? Ok. Les filles? Ok. Je reviens. Oui, ouais. Très bien. 4, 5, comment? 6. Ha! Non. Ce qu'il y a dans ce plastique. Durant la guerre, ma mère nous disait toujours de nous coucher sur le sol. Oui. Et aussi, on devait se coucher au sol à chaque fois qu'on entendait un bruit. La guerre n'est pas bien. Ah. Et on restait couché pendant 4 bonnes heures. Hey. Et nos cœurs battaient tellement. En fait, nos cœurs nous servaient de bouche. On était tout tremblants comme des feuilles mortes. Tu as une idée de ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Encore, Ify. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'Ibuki fait encore ici? Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il a été payé pour enceinte Ify, moi. N'est-elle pas enceinte? Alors, pourquoi est-ce qu'il couche avec ma femme comme un affamé sexuel? Pourquoi? Ah, baisse ta voix pour que les gens ne soient pas au courant de ce qui se passe. Ce gars a été payé pour qu'il travaille. Laisse-le travailler. Laisse-le faire son travail. Il a déjà fini son travail.
Ifo et moi est encore enceinte. Qu'il attende encore 6 mois avant de venir faire quoi que ce soit. Il a l'envie de tuer le bébé. Oudera, il ne va pas tuer le bébé. Ah, mon fils, tu as beaucoup de choses à apprendre. Je t'assure. Je suis une femme et je sais ce qu'il faut. C'est maintenant que ta femme en a vraiment besoin. Hein? Pour que ça puisse élargir cet espace. Pour que pendant ce truc, ce soit très facile pour elle. Oh, ok, maintenant je sais. L'élargissement, n'est-ce pas? Le mendiant sexuel se charge de le faire, n'est-ce pas? Hein? Et si, maman, je pourrais l'élargir. Si je ne peux pas utiliser mon troisième pied, je vais utiliser ma main pour l'élargir. Que signifie ceci? Si je ne peux pas la satisfaire, je pourrais l'élargir. Maman, il est temps que nous mettions fin à tout ceci. Ah, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Oudera, calme-toi. Calme-toi, mon fils, hein? La colère. Je n'apprécie pas cela. J'accepte tout ceci à cause de toi. C'est pour vous deux que je le fais. Mon fils, calme-toi, ok? Je viens de perdre mon ego. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ils prennent autant de temps. Hey, hey, il est puissant, il est puissant. Ugo pueni ne moi, guna nu nemo. Na de moi na wene. Dumendumadumwem. Wow, no more. Ogina pia, moi moigna. Nem, félicitations. Merci, maman. Nemo, maintenant tu es père. Félicitations. Mon Dieu. Maman, où est mon père? Ton père est à l'intérieur, je crois qu'il dort. Il venait juste de prendre ses médicaments. Mon Buruka. Oui, maman. Oh, merci. Bonjour, mon bébé. Neo. Maman. Tu as fait de moi une grand-mère. Elle est très belle. Regarde son nez, regarde ses lèvres. Regarde-la, elle est très belle. Oh là là, elle est belle. Regarde ses lèvres, elle te ressemble. Merci de m'avoir rendue grand-mère. Hein? La jolie princesse, tu es très belle. En effet, notre sang coule dans ses veines. Nadora. Mon mari et moi, nous sommes des grands-parents. Obidigwe, wane mwane. Étudiant. Bon après-midi. Bonjour. Tu es perdu ou alors tu cherches quelqu'un? Je m'appelle Bernard. Je suis docteur et je suis là pour le service national. Je suis à la recherche d'un logement et on m'a dirigé vers vous. Oh, frère Bernard. Le truc c'est, tu vois cette chambre juste ici? Elle avait l'habitude d'être louée aux étudiants, mais ça fait plusieurs années. Et je ne pense pas qu'il fasse encore ça. Mais ne t'en fais pas, je parlerai en ta faveur. Ok, je vous serai reconnaissant. Pas de problème. Je vous serai reconnaissant. Voilà mon mari. Ah, jeune étudiant. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu chez moi? Bienvenue chez moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue, monsieur. Je suis étudiant en médecine et je travaille dans un centre de santé. On m'a envoyé dans ce village pour faire mon stage. Mais j'ai un problème de logement. Alors, c'est pourquoi je suis venu ici. C'est ça en fait avec le Nigérien. Normalement, chaque entreprise qui envoie un étudiant en stage devrait penser à son logement. Mais non, ils ne le font pas. Ils n'y pensent même pas. Le Nigéria est amusant.
C'est notre pays, qu'est-ce qu'on va faire? Après tout... De toutes les façons, nous avions l'habitude de donner un logement. Mais avec le peu que nous avons. Mais la dernière fois que l'on l'a fait... Ah, le dernier étudiant qui était ici, que nous avons logé. Oui. Mais un coureur de jupons. Ce gars a presque enceinté toutes les filles de ce village, vieilles comme jeunes, comme en Asie. Et ensuite, il a eu des problèmes. Il a créé une scène un jour chez nous et mes parents ont dit qu'il parte. Et c'est pour cette raison que nous avions arrêté. C'est triste, mais je vous promets que je ne suis pas comme ça. On dirait que tu es différent. Je ne suis pas comme ça. Tu as l'air différent. Je connais les gens comme toi. Je te dis la vérité. Sauf si tu me dis que tu es différent. De toute façon, allons essayer. D'accord? Je vais parler à mon père. Quand j'aurai son autorisation, je te contacterai. Je vais te donner mon numéro. Ça va te faciliter. D'accord, d'accord. Au lieu de venir ici, il faudra m'appeler. Il n'y a pas de problème. S'il y a du nouveau. Comme ça, s'il y a du nouveau, je te dirai. D'accord. Ok, d'accord. 080. D'accord. 3560. 3570. 6851. 6851. 851, c'est ça? Merci, monsieur. Mon nom, c'est Odera. Ok, mon nom, c'est Bernard. Ah, ok, sois le bienvenu. D'accord, monsieur. Mon nom, c'est Bernard. Bernard. Je préfère Bernard, l'étudiant. Ok, ok. Ouais. Le super frère. D'accord, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. J'espère merci beaucoup. J'espère que tu es un gars. Je vous le promets. Oh, l'étudiant. Hey. Vraiment délicieux. J'espère vraiment que tu aimes ça. Papa, j'espère que tu aimes ça. Papa, cette petite chambre que nous avions l'habitude de louer aux étudiants, as-tu décidé de ce que tu allais faire avec? Fils, je n'ai pas encore décidé. Mais on a un membre étranger. En fait, je veux dire, s'il y a un membre de la famille... Il peut bien l'utiliser. Et pourquoi tu demandes ça? Un étudiant était ici aujourd'hui. Il cherche un logement. Ah, non. Pas du tout. Encore un étudiant? Avec tout ce que j'ai vécu? Quand ces jeunes viennent ici, et ils passent tout leur temps à flirter avec des filles et finissent par les enceinter. Ou alors les filles finissent par tomber enceintes. Non, papa. Celui-ci a l'air différent. C'est un homme bien. Écoute. Je l'ai questionné, il m'a dit qu'il est docteur. Mon fils, on dirait bien que mon opinion ne t'intéresse pas. Papa, c'est juste... Je ne sais pas. Si tu penses qu'il a une bonne mentalité, alors vas-y. D'accord. Mais si il crée des problèmes, alors je le mettrai à la porte. Je lui dirai cela, papa, je lui dirai. Ne t'en fais pas. Je ferai en sorte qu'il ne fasse pas de désordre. Mon frère, chaque fois que je te vois, je t'envie. Je t'assure. Ne m'envie pas, car nous souffrons actuellement. Donc tu souffres. Odera, je voudrais savoir pourquoi tu n'es pas allé loin avec tes études supérieures? C'est une longue histoire. Je voulais vraiment, mais en ce moment, mon père... Très malade. Nous avons dépensé tout ce que l'on avait sur ces médicaments. Enfin, qu'est-ce que j'allais faire? C'est vraiment terrible. Je m'en voulais du fait qu'il soit malade. Tu comprends? Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive.
Tu es là? Ah. T'es enfin là. Ça va mieux? Ouais, je vais bien. Odera, c'est la troisième fois que je vois des urines sur toi. En tant que docteur, c'est pas un bon signe. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Odera? Mon frère, c'est une très longue histoire. Ça s'est passé il y a de cela 17 ans. Comme vous pouvez tous le voir, nous avons 2x au carré moins 3x plus 1. Eh bien, la réponse est 0. Et le deuxième exercice est x au carré moins 4x moins 4, toujours égal à 0. Maintenant, vous avez deux questions sans réponse. Bien sûr qu'elle mérite la réponse. Allez, arrêtez de faire cette tête. Eh bien, nous avons traité cet exercice plusieurs fois. Arrêtez tous de me regarder comme ça, on dirait des chiens devant la télé. Ok, très bien. En passant, quelqu'un peut-il définir une équation quadratique pour nous avant qu'on ne continue? Qui peut définir une équation quadratique pour nous? Patrick, définis l'équation quadratique pour nous. L'équation quadratique. Et qui est cette espèce de souris qui vient tout juste de s'introduire dans ma salle de classe? On dirait un vulgaire bandit. C'est moi, monsieur. Comment oses-tu? Dehors! Allez, prends ton sac. Allez, dehors. Reste là-bas! Pourquoi viens-tu en classe à cette heure? Le principal m'a commissionné après le rassemblement. Le principal t'a commissionné après le rassemblement. Et c'est pour ça que tu penses pouvoir te glisser dans ma salle de classe comme une vulgaire souris sans permission? Ni rien, ai-je l'air d'un idiot? Non, monsieur. Retourne vite à ta place! C'est de ça dont je parlais. Il ne vous reste plus que 2 semaines pour vos examens. Et ils sont là, se balader n'importe comment. Comment? Je te connais très bien, je te connais très bien. Oui, je te connais très bien, je te connais très bien. Et vous tous d'ailleurs. Vous dites des mensonges et vous êtes en train de détruire votre avenir. Et vous ne le faites pas pour moi. Vous êtes en train de détruire votre futur et non le mien. Continuez de jouer. Eh bien, si vous n'êtes pas sage, vous ne pourrez pas réussir votre examen, car l'université n'est pas du tout facile. Nous allons continuer. Alors, qui est-ce qui peut me donner une réponse à ceci? En passant, as-tu répondu à ma question? Odera, mais où étais-tu passé? Car tu t'es glissé en classe pendant les cours. Oh mon Dieu, mais Odera, dis-moi, tu as menti au professeur de mathématiques quand il t'a demandé pourquoi tu es arrivé en retard à l'école. Dis-moi. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour nous couvrir tous les deux. Car il aurait trouvé ça bizarre si je lui avais dit que tu as oublié ton cahier à la maison et que je suis allé le chercher pour toi. Le professeur et les autres élèves m'auraient pris pour un idiot. Non, tu n'es pas un idiot et tu ne seras jamais un idiot. C'est juste que j'étais choquée de la manière dont tu lui as dit, car c'était comme si tu t'étais déjà apprêtée à le dire. Tu sais, je ne me suis pas rendu compte et j'ai juste commencé à parler comme ça. Je m'en fiche s'il va aller voir le proviseur pour l'affirmer ou pas. Il ne le fera pas, car la mine qu'il faisait quand tu lui as dit prouve qu'il t'a cru à 100%. Et peu importe, car je sais de quoi je parle. Mais... Oh mon Dieu! Je l'ai fait pour toi. Oh mon Dieu! Tu sais, je préfère qu'on me punisse parce que je suis arrivé en retard à l'école et me faire humilier par le conseil de discipline. Tu sais que je peux tout supporter. La pause est déjà terminée. Alors, monsieur? Oui, retournons en classe. Tu sais que le professeur de chimie viendra prendre... Je le sais. Tu vas m'aider?
Je pense que je vais lui donner l'argent pour ses examens. Je pense que c'est le mieux à faire. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu croises tes pieds? Allez, détache-les. C'est comme si tu voulais me cacher quelque chose. Mon fils. Odera. Tu ferais mieux de bien enfiler. Oui, maman. Regarde. Là, c'est plus beau. Odera, mon fils. Oui, papa. Je voudrais que tu écoutes attentivement ce que je suis sur le point de te dire. À l'instant que je t'ai donné l'argent qui est entre tes mains, ce sont les frais de ton examen. Remets-le à ton professeur une fois que tu seras à l'école afin de ne pas le perdre. Oui, papa. Nous ne pouvons pas faire confiance aux enfants de nos jours. Il y en a encore. Oui, j'ai compris, papa. C'est complet. Merci, papa. Je t'en prie. Tu sais, ta mère et moi, nous sommes vraiment très très fiers de toi. Et s'il te plaît, surtout n'oublie pas de venir à la boutique une fois que tu seras rentré des classes. Tu sais que j'ai une réunion aujourd'hui. C'est une réunion d'affaires. Et je ne voudrais pas la manquer. Prends bien soin de toi, d'accord? Odi, regarde très bien cet argent, ok? Tu sais que ton père n'a plus d'autre argent à te donner. Hein? Et sois un garçon sage. Maman, ne t'en fais pas, je ferai attention. Fais attention à toi. Au revoir. Oh, mon fils, tu n'as même pas bien peigné tes cheveux et tu es pressé de partir, hein? Chérie, donne-moi un peu d'argent pour que je puisse faire mes petits soins. Ah! Alors, comme ça, tu n'as plus d'argent? Naï, je n'en ai plus. J'ai plus d'argent. Qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai donné la fois dernière? Je l'ai utilisé pour me coiffer, hein? Je vous assure. Ah! Ce gars est prétentieux et il ne sourit pas. Je t'assure. Il m'a dit, accours, regarde ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Accours. Arrête de le regarder comme ça, pour qu'il ne fasse pas un mauvais pas et qu'il tombe. Vas-y doucement. Nous savons toutes qu'il est à toi. En plus, il est comme tous les autres garçons de cette école. Vous avez tout faux. Mon Odera n'est pas comme tout cela. J'imagine le genre d'homme qu'il sera plus tard, tu sais. Hein? Chimo, quand est-ce que je pourrais vivre ce genre d'amour? Moi, je ne peux même pas penser à des choses pareilles. Mes parents me feront la peau si jamais je le fais. Si j'essaie de parler de petite amie. Ou même encore d'amour. Eh bien, ce serait mal poli de ta part de parler d'une telle chose devant tes parents. Mes parents et les parents d'Odira sont des amis. Et notre amitié a un bon impact sur nos études. Alors c'est pour ça qu'ils sont d'accord. Oui, c'est pour ça. Vous les filles, vous devez vous trouver un homme comme Odira. Et vos parents accepteront que vous soyez en couple. Ok. Pouvons-nous arrêter de parler de Odera et parlons d'autre chose? Ne serais-tu pas jalouse par hasard? Ça pue la jalousie. Vraiment? Oui, c'est ça, fait. je sens la jalousie. Je suis pas jalouse. Oui. Oh mon Dieu, n'oublions pas que cet homme nous a donné un devoir. Il nous a donné un devoir. Allons-y. Odera, merci de m'avoir accompagnée. Mais j'ai besoin d'autre chose. Autre chose? Comme quoi? Je voudrais que tu m'aides à accueillir cette manque. Ah, ah. Mais je ne vois aucune manque. Ah non, j'ai vu une manque quand j'ai balayé la cour ce matin. Tu en es sûre? Tu sais que je n'aime pas quand tu me supplies. Je vais juste le faire pour toi. Tu dis que c'est sur cet arbre. Allons-y, je vais te montrer. Là-haut? Oui, du côté droit. Tu dis que c'est ici en haut? Oui, du côté droit tout là-haut. Fais attention. Doucement. Aku, je ne vois rien ici. Mais regarde du côté droit, à ta droite et non à ta gauche. Aku, es-tu sûre? Regarde juste bien, là-bas. Oui, regarde bien. Regarde. Presque là. Ah! Odera! Odera! Oh mon Dieu!
Odera! Mon dos! Odera! Est-ce que ça va? Odera! Ton dos! Ton dos! Odera! Odera! Pourquoi tu ne dis plus rien, Odera? Ah! Ah! Venez m'aider! Venez m'aider! Odera! Venez m'aider! Ah! Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Qu'est-ce qu'il arrive à mon fils? Qu'est-ce qu'il arrive à mon fils? Odera est tombé d'un arbre. Parle-moi! Où est mon fils? Où est Odera? Maman, ils l'ont amené à l'hôpital. Lève-toi! Et amène-moi où il est. Lève-toi! Maman! Odera! Hé, hey, mon fils! Oh, mon Dieu! Je t'en prie, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, Seigneur. Docteur, comment va mon fils? Très bien, madame. Écoutez, madame, vous devez donner de l'argent pour que nous puissions lui ouvrir un dossier et que nous puissions lui donner un carnet. Et après avoir fait cela, vous devrez faire une déposition pour que nous puissions commencer immédiatement les traitements. Ok, docteur. Combien faudrait-il? 35 000 naira pour le dépôt initial. J'espère que mon fils a repris connaissance et que rien ne lui est aussi arrivé, n'est-ce pas? Faites tout votre possible. Sauvez-le, s'il vous plaît. Sauvez mon fils, je vous en prie. Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là. Nous ferons de notre mieux pour le réanimer. Merci. Il a repris connaissance, mais vous savez, okay. Le plus tôt possible que vous ferez le dépôt, plus tôt nous commencerons son traitement, d'accord? Ok. Oui. Vous avez 35 000 pour le paiement initial. Ok, j'arrive. Infirmière, quand ils seront là, s'il vous plaît, chargez-vous d'eux, ok? Papa Odera! Papa Odera! Papa Odera! Papa Odera! Papa! Papa Odera! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Odera! C'est Odera! Odera a été conduit à l'hôpital! À l'instant où je te parle, il est inconscient. Que lui est-il arrivé? Il est inconscient à l'hôpital. Il est inconscient. Il est allongé à l'hôpital. Écoute-moi bien, ma chérie, tu dois te calmer. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Le docteur dit qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et de combien on parle? Traitement. Il faut combien coûte le traitement? Combien est-ce qu'il a demandé? Ils ont encore dit combien là? Ils ont dit combien? Tu dois retourner à l'hôpital. Va rester avec lui. Pendant ce temps, moi, je vais rassembler le peu d'argent que j'ai. Viens avec moi, s'il te plaît. Allez, vas-y. Viens avec moi, s'il te plaît. Le temps pour moi de rassembler l'argent. Allez, je ferme la boutique. Je ne veux pas le perdre. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Je te rejoins, d'accord? Dépêche-toi. Madame, comment se porte-t-il? Vérifiez par vous-même. Très bien, madame. Selon ce que nous avons constaté, votre mari a reçu un coup suite à un accident. Mais néanmoins, nous allons le surveiller de très près. Pour qu'il sorte du coma, et après cela, nous lui ferons un scanner pour déterminer l'intensité des dommages causés à son cerveau. Et pour votre fils, il a eu de la chance de n'avoir pas brisé ses os. Ce qui veut dire qu'il va bientôt guérir. Bon, je dois partir, madame. À plus tard, madame. D'accord, docteur. Seulement les problèmes. Que vais-je faire?
Oh, tu es là. Bonjour, bonsoir, ma fille. Maman. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien. Et comment est-ce qu'il va? Il dort encore. Mais tu peux aller okay. rester avec lui. Je ne le ferai pas, maman. S'il te plaît, ne le réveille pas. Ok, je ne le réveillerai pas, je te le promets. Le docteur a dit qu'il devrait se reposer. Ok, maman, pas de problème. Odera, je suis tellement désolée. Odera, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tout ceci allait arriver. Obim. Hey. Maman. Maman. Maman, que fais-je ici? Doucement. 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 Qui est-ce? Calme-toi. Que... Calme-toi juste. Que lui est-il arrivé? Chérie, je t'en supplie, calme-toi. Repose-toi d'abord. Papa! Je te sens encore très mal. Calme-toi. Très bien. Vous devez rendre grâce à Dieu que votre mari soit en vie. Je sais qu'avec le temps, il pourra s'adapter. Docteur, s'adapter à quoi exactement? S'adapter à la paralysie? Mais non, votre mari n'est pas complètement paralysé. Le choc a juste paralysé un côté du corps qui est appelé l'hémiplégie. Cela conduit au dysfonctionnement du cerveau, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas bouger tout seul. Docteur, s'il vous plaît, que signifie ce langage complexe? Vous êtes en train de m'embrouiller encore plus. Ce qui est le plus important est de savoir comment nous pouvons sortir de cette situation. Très bien, madame. Nous pouvons essayer de gérer son état. Nous allons continuer à le suivre avec quelques thérapies pour que son état ne s'empire pas. Si je peux me permettre, madame, comment va votre fils? J'espère qu'il va mieux maintenant. Oui, en dehors de ses blessures qu'il a sur son dos. Ok, ne vous en faites pas, madame. Il ira mieux et très bientôt, les deux pourront être libérés. Mais nous allons continuer à le suivre au cas où les douleurs vont persister. D'accord. Je vous en prie. Je suis dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'infirmière sera là pour vous, d'accord? Ok, je vous en prie.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la troisième fois que ça m'arrive. Comment est-ce qu'un jeune homme comme moi peut uriner sur lui sans pouvoir se contrôler? Ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? À peine je ressens l'envie d'uriner que les deux secondes qui suivent, je me suis fait pipi dessus. Non, je ne peux pas dire ceci à mes parents. Ils ont déjà assez de problèmes. Je ne veux pas en rajouter. Non, je ne peux pas. Désolée. 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 Mon mari, tu dois boire ce remède. Tu dois boire ceci. Ça t'aidera à chasser les mauvais yeux sur toi. Voilà, il faut boire ça. C'est bien. Maman, je vais reprendre les cours la semaine prochaine pour pouvoir m'apprêter pour les examens avec les autres. C'est vrai, mon fils. Souviens-toi que tu ne devrais faire aucun exercice physique, ok? Et ne te mets plus à grimper les arbres. Est-ce que tu m'entends? Et tu dois faire très, très, très attention, car tu es sur le point de reprendre le cours. Et il est très évident que nos ennemis sont après nous. Désolée, tout ira bien, ok? Papa, désolé. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tout ira très bien. Ne t'inquiète pas, il va bien. Je vais débarrasser tout ceci. Amène tout ceci à la cuisine. Ça va aller, désolé. Ok, ça va aller. Tout ceci, ça va aller. Ça va passer, ok? Ça va aller. Tout va bien? Oui, maman. Je me fais juste du souci pour la condition de papa. Je veux dire, j'ai comme l'impression que c'est à cause de moi qu'il est paralysé ainsi. Tu ne dois pas être dur envers toi-même. Ce n'est aucunement de la faute de personne si les choses se passent ainsi. Nous devons juste accepter ceci et continuer de vivre. Remercions grandement le Seigneur parce qu'il est en vie. Comment vais-je continuer mes études et aller à l'université s'il est encore dans cette condition? Dieu ne nous laissera pas. Il nous viendra en aide. Ce n'est pas juste qu'il soit dans cet état juste parce qu'il voulait sauver son propre fils. Écoute, tu ne le mérites pas aussi. Personne ne le mérite, ok? Ne t'en fais pas, tout ira bien. Ok, ton repas est prêt. Est-ce pour cette raison que tu as assis ici? Allez, viens manger à l'intérieur. Viens. Seigneur. D'accord. Oudera? J'arrive, maman. Encore. Merde.
Odé, comment tu vas? Je vais bien. Comment va le marché? Waouh! Je peux voir que vous avez acheté de nouvelles marchandises. Oui, c'est mon père qui les a achetées. J'aime celui-ci. Odera, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as perdu tes sentiments pour moi? De quoi parles-tu? Tu sais de quoi je parle, je veux dire. Tu t'excites souvent quand nous sommes ensemble. Ça te rend viril comme un homme. Et je me sens comme une femme aussi. Je vais bien, je n'ai aucun problème. Tout va bien. Es-tu sûre? Oui. Odera! Odera, qu'est-ce que c'est? Tu viens juste de pisser sur toi. C'est quoi ce truc sur ta culotte? C'est à toi que je parle. Oui, papa. Tu n'as quand même pas uriné sur toi, n'est-ce pas? Oui, papa. J'étais en train de puiser de l'eau. Avec le bidon et sans faire attention, j'ai versé de l'eau sur moi. C'est pour ça que je suis mouillé. Bon, je vais me changer. Ok, d'accord. Il faudra changer ce bidon. Il est déjà vieux et jetable. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pendant combien de temps vais-je continuer à uriner sur moi comme un bébé? Quand est-ce que ça s'arrêtera? C'est insupportable. Ah bah, Odera! Combien de fois vas-tu changer de culotte en une seule journée? Maman, toi aussi. Ah, je suis sérieuse. Je l'ai remarqué. Deux fois, tu peux même changer trois ou quatre. Je disais ça juste comme ça. Je suis en train d'aller à la réunion des femmes de quoi. Rassure-toi de prendre soin de ton père, ok? Ne sors pas, s'il te plaît. Ne va pas dehors, s'il te plaît. Et même si tu sors, fais-lui quelque chose à manger. Tu sais qu'il ne peut pas te faire lui-même. Pas de problème, maman. Garde-moi des beignets aux œufs. Beignets aux œufs. Non, pas partager les biscuits. Ni même de l'eau et les arachides. Tu vois un peu. Les beignets aux œufs, c'est trop cher. Donc n'y pense même pas, prends soin de toi, ok? D'accord. N'oublie pas de prendre soin de ton père. Je serai bientôt de retour, ok? Ok, maman. Beignets aux œufs. Ah, je suis très en retard. Un instant. Comment est-ce que j'ai pu m'exciter lorsque Hakuna m'a prise dans ses bras? Cette fille sait comment me rendre vraiment dingue. Vraiment. Mais pas aujourd'hui. Odera,
Pourquoi es-tu subitement devenu silencieux? Je ne comprends pas. Tu marches avec quelqu'un et tu n'arrives même pas à lui dire un mot. Tu es comme ça depuis que tu es rentré de l'école. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Tiens, je te dis. Cher Apu, merci de te faire du souci et de m'aimer. Je meurs de l'intérieur, mais je ne sais pas comment me l'exprimer. Et cela me ronge au plus profond de moi. Après mon séjour à l'hôpital, j'ai remarqué que je commençais à uriner sans cesse. Oh, mon cœur saigne. Le plus étonnant, c'est que quand je suis avec toi, je n'arrive plus du tout à m'exciter. Cette sensation auparavant qui me rendait viril. Je parle du passé, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ni encore pourquoi les dieux ont décidé de me punir. Akko, s'il te plaît, rassure-toi. J'irai bien. Ton amour, Odira. Oh. Il l'a oublié ici. Ce garçon. Pourquoi est-ce qu'il oublie autant? Il prive son corps et son cerveau de... Il prive son corps du bon repos. Tout ça parce qu'il se prépare pour son examen. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Yeah.
Non, continuez. Pourquoi vous vous calmez? Allez-y, continuez à faire du bruit. Vous, jeunes gens, vous n'avez même pas honte. Regardez-vous. Après 50 ans, eh bien, la maturité des hommes reste à revoir. Vos parents dépensent de l'argent chaque année. Ils dépensent de l'argent chaque année. Année après année. Et vous ne connaissez absolument rien. Idiot. Espèce d'imbécile. La maturité, ce n'est pas de sauter d'un banc à un autre comme des vulgaires singes. Ouais, bien sûr. Je sais que rien qu'à vous regarder, vous n'êtes tous que d'espèces d'immatures. En passant, je pense que nous allons changer le chapitre d'aujourd'hui. Notre chapitre de ce jour sera sur le système reproductif. Oui, le système reproductif. Le système reproductif. Le système reproductif. Vous voyez, la maturité est une chose physique. C'est quelque chose de physique. Non mais regardez, les poils poussent sur vos fesses et vous ne savez pas ce que cela veut dire? Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce livre? Je me souviens de l'enfant. Oudera. Maman. Bien. Oui, maman, tout va bien. Tout va bien. Oui, maman. Mon fils. Maman. Tu dis que tu vas bien? Oui, je vais bien. Et ta culotte? Je vais me changer plus tard, maman. Mon mari, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Merci. Naï, les ennemis sont après nous. Ils veulent seulement nous détruire, mais ils ne pourront pas. Ils ne réussiront pas. Pas du tout. Tant que nous sommes innocents, rien ne nous arrivera. C'est quoi le problème exactement? C'est à propos de notre unique fils. Qu'est-ce qu'il a, notre fils? Est-ce qu'il a un problème lié à
son examen. Loin de là, mon mari. Aujourd'hui, j'ai ramassé l'un de ses livres, qui est sûrement tombé de son sac. Et deux lettres sont sorties du livre. Le contenu des deux lettres sont tellement choquantes, mon mari. S'il te plaît, va droit au but et dis-moi exactement ce qui se passe. Ok. Te souviens-tu de Ako, cette fille qui était avec notre fils le jour de son accident? Cette fille lui a écrit une lettre en se plaignant de son silence actuel. Ce même silence que j'ai aussi remarqué. Je croyais que c'était les préparatifs de son examen qui l'ont rendu aussi froid depuis un moment. Je veux que tu te calmes. Si c'est ce que tu considères comme problème, je n'en vois pas ça comme un. Notre fils redeviendra comme avant après son examen. Mon mari, c'est pas vrai. Il y a un problème. Naï, tu ne peux pas comprendre. Elle a également parlé du fait qu'il urine dans ses culottes sans toutefois qu'il ne s'en rende compte. Maintenant, dis-moi, où dirait-il un enfant? Elle a parlé de beaucoup d'autres choses. Mon mari, j'ai très peur. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas comment l'exprimer sérieusement. Naï, elle a aussi dit que... À chaque fois qu'elle est avec Koudira, il ne réagit pas comme un homme. En fait, je ne sais pas, il n'est plus viril. Tout à quoi? Pas mon fils. J'étais choquée quand il l'a dit. Je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point, les enfants d'aujourd'hui. Les enfants de nos jours, ils sont tellement pressés de tout faire. Mais là n'est pas le véritable problème. Le principal problème est que comment mon enfant, mon unique enfant, puisse être vu comme un homme impuissant. Je t'ai dit de te calmer. Il n'y a absolument rien de mauvais chez notre fils. Il est fort. Il est aussi fort que moi. Naï, c'est pas vrai. Quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Ok, c'est bien, Oudira lui a confirmé. Cela en lui répondant sur une lettre. Que tout ce qu'elle a dit était vrai. Que tout ceci a commencé lorsqu'il était tombé de l'arbre. Nous devons faire quelque chose. Il est très jeune pour avoir ce genre de situation. Nous devons d'abord causer avec lui. Et savoir ce qui se passe. Celui qui a fait ça à ma famille n'aura jamais de paix. Cette personne va souffrir. La foudre de Dieu va le fouetter. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te calmer? Je ne peux que te dire qu'il n'y a rien de mal en notre fils. Oudira, s'il te plaît. Parle-moi, je suis ta mère. Parle-moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui te dérange. Parle-moi, s'il te plaît. Je pense qu'il y aura une solution à tout. Non, maman, il n'y a rien. Je vais parfaitement bien. Ok. Si tu dis que tout va bien, peux-tu m'expliquer le contenu de ces lettres? Mes ennemis sont après moi. Mes ennemis sont après ma famille. Au nom de Jésus-Christ, ils vont souffrir. Ils seront punis pour ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils n'auront pas de paix. Ils vont souffrir. Qu'est-ce que mon fils leur a fait? Qu'est-ce que mon fils leur a fait? Ils vont souffrir. Ah.
Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. On dirait que tu ne vas pas bien. Oudéra, je te connais très bien. Comment se fait-il que tu pisses sur toi? Quel est le problème? Pourquoi ne veux-tu pas t'offrir à moi, ta mère? Dis-moi quel est le problème. Maman, tu parles fort. Tu en connais crier pour que tout le village sache que j'ai fait pipi sur moi. Écoute, mon fils. Je ne pourrai jamais te donner la honte. Tu dois juste me parler comme un adulte. Ta camarade se fait des soucis pour toi. Parle-moi. C'est quoi le problème, s'il te plaît? Dis-moi. Maman, je vais bien. Comme tu l'as dit, je suis un adulte et je peux gérer mes problèmes. Oh mon Dieu! Tu m'as vraiment manqué. Moi aussi, tu sais, c'est tellement différent sans toi. Rester assise seule dans la classe. Rentrer seule comme un mouton qui a perdu sa route et son berger. Tu sais, j'imagine cela. Je remercie Dieu d'avoir épargné ma vie, malgré que le diable soit venu pour nous séparer. Dieu nous en préserve, ils ne réussiront pas. Malgré tout, je me sens coupable pour ce qui s'est passé, surtout que tout le monde m'en voulait pour ce qui était arrivé. Tu ne dois pas l'être. J'ai vu cela comme un événement pour nous séparer. Mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre est plus fort. Oui. Oh, Bim. Merci pour ces paroles. Tu m'as fait me sentir mieux. Je t'aime, ma future femme. Tu sais, tous ceux qui ont causé cette tragédie de près ou de loin auront honte. Comme ah, oh Bim, ils sont arrivés en retard, ok? Je t'aime aussi. Cette partie n'est pas encore terminée. Ah, mon mari. Je suis tellement épuisée. Qu'est-ce que Adaka, le grand guérisseur, a dit? Mon mari. Il a dit qu'il y avait un serpent maléfique sur l'arbre sur lequel Oudéra était montée. Et c'est ce qui l'avait fait tomber. Et cette attaque provient de mes ennemis. Alors il m'a donné ses herbes. Et pourquoi tu fais cette tête? Tu devras boire un verre.
Tiens, ça y boit. Je dois le boire. Bois ça très rapidement. Au lieu de me demander si tu vas boire ça, il a dit que tu dois boire ça matin, midi, soir. Ouvre bien les oreilles et écoute ce que je vais te dire. Il a dit que tu vas boire ça matin, midi et soir. J'espère que tu comprends. Hein? Et tu devrais l'appliquer partout sur ton corps. Partout, je dis bien partout. Je dis partout sur ton corps, de la tête aux pieds. Oudera, qu'est-ce que j'ai dit? Dans 3 semaines. Peu importe ce que le guérisseur a dit, je sais que ceci marchera. Odaka que je connais n'a jamais menti. Il guérit tous les problèmes spirituels de ce village. Odora. Papa? Tu as entendu ta mère? Oui, papa. Tu devras faire absolument tout ce que ta mère te dit de faire. Et pour ce qu'Odaka a dit, tout devra être suivi à la lettre. Et je sais qu'à la fin, tout ira bien. Bien sûr. Oudira, garde ça très bien sur la table, ok? Et rassure-toi de boire tout ce qu'il y a dans ce verre. Vas-y à l'intérieur garder ces remèdes. Je ne comprends pas cet enfant. Mon mari, comment est-ce que tu te sens? Comme tu peux le voir, je vais bien. Odera me donne des exercices pour guérir. Et ça marche. En jouant à ce jeu? Oui. Merde, que signifie tout ceci? Adeka a dit que je serai guéri dans 3 semaines. C'est la 5e fois que je le prends et je n'ai aucun résultat. Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Ce problème devient vraiment sérieux. Comment se fait-il que je pisse sur moi comme un bébé? Ah! Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un bébé, non? Que signifie ceci maintenant? Oh! Ah. Depuis 7 ans, je suis comme ça. Ce n'est pas... J'ai souffert. 17 ans, t'as dit? Ce n'est pas facile. C'est vraiment très triste. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais... Bien, allons-y. Je sais pas quoi te dire. Je pense que quand je vais arriver à l'hôpital... Ah, papa gentil. Oui? Hein? Comment tu vas? Comment est-ce que ça s'est passé? Tu es un monsieur. Comment ça a été aujourd'hui? Ça va, tranquille. Eh bien... Ah. Je suis allé consulter aujourd'hui. Okay. Et ensuite, je suis rentré au centre de santé. J'avais d'autres choses à faire. Ils veulent nous tuer. Regarde-toi. Tu fais comme si c'était une tortue. Bien sûr que c'est une tortue. Et je ferai tout pour mettre cette tenue que tu portes et même endurer le stress. C'est pas du tout facile, hein. C'est pas du tout facile, mais je t'assure. Tu connais ce pays. J'ai fait composer 5 enfants et... Pourquoi cet homme est toujours ici? Je comprends pas. C'est l'un de mes frères. Une parenté? Oui. Ok, je croyais que c'était le frère de ta femme. Non, c'est une parenté, nous sommes très proches. Nous sommes très proches. Eh oui. Ok, si tu le dis. De toutes les façons, je dois me reposer, je suis épuisé. Y a pas de problème, Odera. Comment est-ce qu'un jeune homme comme Odera puisse être humilié de cette manière? Ah, c'est un homme bon. Trop gentil pour endurer cela depuis 17 ans maintenant. Viens le prendre. Il faut dormir. Maman, ça va aller.
Ça va aller. C'est sûr qu'il veut dormir. Comment est-ce qu'elle va? Oui, maman. Bien, je n'apprécie pas la façon dont vous agissez l'un envers l'autre. Parce que ce petit arrangement que nous avons fait et qui nous a donné cette petite fille, hein? Et maintenant, vous le laissez affecter votre mariage? Quel mariage? Maman, quel mariage? Hein? Quel genre de mariage c'est? Le mariage est sacré. Et un mariage est béni par Dieu. Et Ifi et moi ne faisons rien ensemble. Ce que nous faisons n'est pas du tout sacré. Ce n'est pas sacré. Mon foyer est devenu la cour du roi Peto. Ah, Manu. Ah, ma chambre n'est plus sacrée. Non, ceci doit s'arrêter. Odira. Vous l'entendez? J'ai été forcée à faire ceci. Je ne voulais pas faire partie de ça. Et pourtant, tu prends du plaisir. Tu n'étais pas d'accord avec cet arrangement. Mais maintenant, tu prends du plaisir. Ça ne m'enchante pas. Tu ne prends pas du plaisir. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah! Cette réunion a une signification. Papa Odira Biko. L'objectif était d'avoir des petits-enfants dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu fais de ça un grand problème? Non, papa, ce n'est pas correct. C'était votre plan. À vous deux, vous l'avez planifié. Et j'étais d'accord juste parce que je voulais que vous soyez heureux. Je voulais votre bonheur, c'est pour ça que je l'avais accepté. Mais maintenant, cela doit s'arrêter. Oui, je suis fatigué de mourir en silence. N'est-ce pas évident? Comment ma femme peut-elle être dans ma maison et appeler un autre homme avec des petits noms? Elle lui donne des petits noms comme Odogu, mon amour, mon doudou, hein? Doudou, tu es le meilleur. Est-ce que c'est bien? Hondenuma. Non, Hidoke doit arrêter de venir ici. Tu devras juste faire avec. Parce que nous ne lui avons pas donné une si forte d'argent pour qu'il fasse un Maman, seul enfant. Écoute, qu'il reste avec l'argent, le terrain. En effet, je vais reprendre le terrain. Moi-même, je reprendrai. Qu'il arrête de venir ici. S'il te plaît, ne fais pas de ça un problème. Si tu fais de ça un problème, tout le monde sera au courant. Papa, où sont passées tes oreilles? Hein, papa? Que se passe-t-il? Donc tu n'es pas au courant. Donc tu n'es pas du tout au courant. Est-ce que tu sais ce qui se passe? J'ai entendu des rumeurs là-dehors. Tout le monde est déjà au courant. C'est l'œuvre de Ife et sa mère. Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que veux-tu dire par « c'est l'œuvre de Ife et de sa mère »? Maman, je n'ai jamais rien dit à qui que ce soit. C'est Imoke qui le montre à tout le monde, maman. À chaque fois qu'il me croise au marché ou en route, il va juste commencer à dire « Ifi, tu me manques. Ifi, ça me tente de t'embrasser. Ifi, comment va notre bébé ?» Je n'ai rien dit à qui que ce soit. Allez, Mohamed, vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez mis ce plan en place. Vous avez employé un démon sous une forme humaine. Maintenant, il se permet de dire à ma femme « En effet, tu me manques. Obada Faraoui. » Au Barabunia. Le tonnerre qui le frapperait en coin en train de se préparer à un enfant là. Et très bientôt, ce tonnerre arrivera. Et ça va le foudroyer. Et toi, tu es souvent dans ma chambre, en train de crier et baigner. L'autre jour, je t'ai entendu. Et baigner, oh chérie. Et baigner, oh mon amour. Imoke ne reviendra plus ici. Sinon, tu verras de quelle voix je m'échauffe. Ah, que signifie ceci? Ok, pourquoi est-ce qu'il manque ne l'épouse donc pas? Pourquoi est-ce qu'il ne l'épouse donc pas? Comme ça, elle pourra vivre avec lui. Elle sera libre de crier. Oh chérie, oh chérie, oh chérie, oh chérie. Nye benye. L'autre jour, j'ai entendu nye benye. Nye benye. Ife, je te le dis. Je t'ai à l'œil. C'est la première fois que tu viens dans ma boutique. C'est vrai. Je n'hésiterai pas à te donner n'importe quoi. Pardon. Bois de l'eau, il fait trop chaud. Pas de problème.
Bienvenue, mon frère. Bienvenue. C'est pas facile. Alors, j'ai discuté avec l'un de nos chirurgiens de l'hôpital. Et je lui ai fait part de la situation. Et ton cas lui a beaucoup intéressé. Waouh. En fait, il veut que tu viennes à l'hôpital le jeudi pour qu'il puisse te consulter. Jeune étudiant. Ouais. Donc, tu veux dire qu'il y a un espoir pour moi. C'est clair qu'il ne se fait pas trop tard pour moi. Je pense pas que ce soit trop tard. Gardons juste espoir. Hey, alors, combien est-ce que tout cela peut coûter pour que je puisse mettre l'argent de côté? Je ne peux pas vraiment l'estimer. Mais viens d'abord à l'hôpital pour qu'il puisse te consulter afin de trouver la cause de ce problème, tu vois? Waouh, merci beaucoup. Merci. De rien, c'est le moins que je puisse faire. T'es mon ami, non? N'est-ce pas? On est des hommes. J'ai appris. Bon, je vais devoir te laisser, je dois partir maintenant. Ok, d'accord. Et merci beaucoup, je viendrai te voir. Avez-vous développé d'autres symptômes dus à cela? Non. En dehors du mal de dos. Vous savez, vous devez être honnête avec moi, d'accord? Sincèrement, juste les douleurs au dos. Mais ça n'arrive pas à un moment. Ok, d'accord. Vous allez le remettre à la réception, d'accord? Ok. D'accord. Encore une chose. Amenez-le vers le scanner à l'hôpital. Docteur. J'attendrai les résultats. Je voudrais il voir... Il n'est pas là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Mon cher, écoute. Mes parents qui t'ont... en fait, ce n'est pas moi qui t'ai employé. Mes parents t'ont employé. Mais je suis le PDG de l'entreprise dans laquelle ils t'ont employé. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Alors, je tiens à te dire qu'à l'instant présent, que ton contrat est expiré. Tu as été renvoyé de cette entreprise. Que ce sera bien dans ton cerveau. Serais-tu devenu fou ou quoi? Pardon? Ifi, c'est ma femme, et non la tienne. Elle est ma femme, et non la tienne. Tu oses parler comme si c'était ta femme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ifi était à la maison et tu m'as dit qu'elle n'était pas là. Tu n'as pas honte? On dirait que quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'as pas de cerveau. Tu parles de ma femme. Ifi est ma femme et non la tienne. Alors, j'ai décidé de faire ce que je veux. Que veux-tu insinuer? Voilà, Ifi, et pourtant tu m'as dit qu'elle n'est pas là. Et si elle est là, quel est le problème? Bikunu quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il était avec Ifé la semaine dernière. Et il a pris son pied. Voilà ce qui se passe. Quelle est cette scène? Ne vois-tu pas que je me fais mépriser par lui? Maman, j'ai déjà dit à ce jeune homme que ce contrat que tu as signé avec lui et papa a été annulé. Il n'est plus éligible. Écoute-moi. Il devra nous rembourser. Parce que le contrat s'arrête à un seul enfant. Il a réussi à l'enceinter. À l'enceinté. Écoute, Oga, tu n'as plus rien à foutre ici. Tu ferais mieux dégager tout de suite. Car bientôt, je vais perdre patience. Je n'ai pas l'envie de te faire du mal, donc dégage. Tu n'as plus rien à faire ici. Ton contrat est terminé. Et en plus de cela, écoute, tu vois cet argent qu'on lui a donné? En effet, garde cet argent. Oh, calme-toi, non? Odera, calme-toi. Hein? Nabiko, ne sois pas en colère. Maman, c'est à cause de toi, oh. Je le sais. Hein? S'il te plaît, ne te fâche pas. Odera, c'est quoi ton problème? Mais Odera, n'as-tu pas honte? Je m'en fous. Tout le village le voit se pavaner avec ma femme. Qui avait dit que Odera ne pourrait pas s'occuper de sa femme? En effet, tu n'as qu'à te fâcher. Je m'en fous. Et en plus, est-ce que tu as le droit de te fâcher?
Est-ce que tu n'as pas honte? Attends. Bina bon madou. Buena abadou. Bina abadou. Attends, attends. Serais-tu devenu fou? Pourquoi devrais-je avoir honte alors que tu as maintenant un fils? Un fils que je t'ai donné? Maintenant tu m'insultes? Ingrat. Un fils que tu m'as donné sous contrat. Que tu m'as donné par un arrangement. Mes parents ont tout arrangé et tu as mis un fils au monde. Arrête de parler comme si tu m'avais fait une faveur sans recevoir rien en retour. On t'a donné de l'argent et une parcelle de terrain, n'est-ce pas? Et tu as donné un fils à mes parents. C'est terminé. Je ne veux plus te revoir après ce portail. Tu es prévenu. S'il te plaît, ne me pousse pas à bout. Sinon, je t'arracherai les yeux. Niala. Odera. Odera. Ne viens plus ici. Ne reviens Odera. Plus ici. Tu es un donneur. Tu n'es qu'un simple petit donneur. Tamariwai. Alors, dégage de cette cour. Odera. Odera. Oh, ouais. N'oublie jamais cet instant où tu m'as chassé de ta maison. Tel un bandit. Tu le regretteras. Ah bon? Odera, tu le regretteras. Je t'assure que tu n'auras plus le courage de sortir de cette maison, je te le promets. On verra alors, bien. Regarde-toi, regarde-toi. Tu es insensé. Parce que tu as maintenant un fils, hein? Maba. Nanan, oui. Pouniek aussi. Tu devrais plutôt avoir honte de toi. On verra bien. Nous sommes censés te voir avec ma femme. Tu veux celle des autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Deoniala, le pire que tu puisses faire, c'est d'aller dire au monde entier que c'est toi qui enceinte ma femme. Et ils vont applaudir pour toi. Ils ne sauront pas que tu as pris l'argent en échange. Tu devrais avoir plutôt honte de toi. Vois-moi cette espèce d'idiot-là. Maman, tu vois, c'est toi qui as causé ceci. Tout ceci, c'est de ta faute. Quand tu as piétiné mon ego. Maintenant, cet imbécile me parle n'importe comment. Je présente le cas de M. Odera, qui est effectivement l'un de mes proches. Il s'est confié à moi il y a de cela quelques semaines concernant son problème urinaire et de ses douleurs au rectum dues à une chute. Il s'est fait par la suite consulter par le docteur Egede. Il s'est diagnostiqué il y a de cela 2 semaines et les résultats sont sortis. Et les résultats nous montrent que il y a un large dysfonctionnement autour de son rein. Pas seulement autour de son rein, mais autour de son rectum aussi, spécifiquement du L5 au S1. Puis-je jeter un coup d'œil? Mais qu'est-ce que tout ceci veut dire? Ça veut dire que la compression des nerfs cérébrales sur cet endroit. Une chirurgie de qualité pourrait-elle résoudre ce problème? Je me demande toujours pourquoi ce patient n'est pas à l'hôpital avec ses symptômes pour demander de l'aide. Il lui faut de l'aide. Ces gens négligent leur état de santé. Et après, ça s'aggrave. En fait, ils sont juste ignorants. Je veux encore jeter un coup d'œil. Vas-y. Allez, sors! Sors si tu es un homme! Sors, Odera! Vas-y, sors! Tu n'es pas un homme! Même pas foutu de faire ton devoir! Vas-y, sors! Et tu te permets de m'insulter? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'es qu'un misérable rat! Sors! Après tout ce que j'ai fait pour lui? Hein? Tu n'es pas un homme! Dégueulasse! Tu n'es bon qu'à te cacher! Et à fuir! Odera! Reviens m'insulter si tu le peux, espèce de lâche! Je savais que ça finirait comme ça, je le savais! Ouais! Misérable Odera! Sors! Ingrat! Bah. Tu n'auras plus aucun autre enfant, Odera! Les docteurs et les histoires. Je le savais, je croyais qu'il allait me prescrire 2 ou 3 médicaments. Ensuite, je les prendrai et après tout ira bien. 1 ou 2 médicaments? Non, désolé, mais des médicaments ne peuvent pas soigner ta maladie. Ah, pas du tout. J'avais pris des médicaments dans le passé, mais ça n'a pas eu d'effet. Quel médoc avais-tu pris? Tu parles des simples médicaments, là? T'es jamais allé à l'hôpital pour te faire consulter? En effet, je vais te dire.
On avait un docteur traditionnel. Et c'était le plus puissant que nous ayons dans ce village. Peu importe la maladie, Adaka le soignait. Personne ne le dépassait. Odera, laisse Adaka. Laisse Adaka. Ah, avant que je ne l'oublie, j'ai parlé avec le chirurgien avant de venir. Et il m'a dit que l'hôpital de Lagos avait tout l'équipement nécessaire pour ton opération. Ok. Le seul souci, c'est que ça pourrait te coûter 4 millions et demi. Boum. Hey, je m'attendais à cela. 45 millions. Hey. Je le savais. Je le savais. Odera, calme-toi d'abord. Me calmer? Mon frère, regarde ma boutique. Est-ce que cette boutique atteint-elle 1 million de naira? Mon frère, c'est ici que tout s'arrête. Laissons tomber. Il n'y a plus rien à faire d'autre. Tu sais quoi? Allons juste étape par étape. Je suis juste venu te voir concernant notre dernière conversation. Oh. Concernant? Et concernant le cas de M. Odera, c'est ça? Oui, effectivement. Très bien, nous allons traiter le cas de M. Odera comme un don venant de l'hôpital. Oui, comme un cas venant de l'hôpital, est-ce que tu as compris? Tu sais, l'hôpital a pris ce cas à cœur, donc ils vont en prendre charge. Oui, et aussi, y compris de l'opération chirurgicale. Mais tu sais, nous avons eu 10 patients. Dans ça, 4 interventions ont marché. Et là, ils sont en phase de guérison. Alors, si M. Odera le veut, il pourrait être parmi les 6 derniers patients qui restent. En fait, est-ce que tu comprends? Il n'a pas d'autre choix. C'est ce qu'il veut. C'est son souhait. C'est ce qu'il veut. Merci beaucoup d'avoir inclus mon ami M. Odera. Écoutez, de rien. Bénéficiaire de cette œuvre de charité. De rien. Je crois fortement que son état va s'améliorer après cette opération. Eh bien, par chance, après l'enquête, son cas s'avère moins compliqué. Alors celui-là est très promoteur. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter, hein? Et tout ira bien pour lui. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous contacterai, d'accord? D'accord. J'irai le lui annoncer demain à son travail et je te donnerai des comptes rendus. Il n'y a pas de problème. Il sera très content. Vraiment très content. Appelle-moi quand tu seras en contact avec lui, d'accord? Je dois me mettre au volant. D'accord. Merci beaucoup. Ok, prends soin de toi. D'accord. Nous devons aller chercher les autres membres de la famille. Qu'ils viennent. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons discuter de toutes ces choses au plus vite. Avec tout le respect que je te dois, Odera n'a pas le droit de rester ici. Qu'il parte. Oui, parce qu'il n'est pas assez viril pour agrandir la famille. Ce n'est qu'un incapable. Qu'il s'en aille. Que le tonnet au fougois. Tu n'es que sale imbécile. Comment oses-tu parler de moi ici? Que le tonnerre te frappe, toi! Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, imbécile? C'est à moi que tu parles ici. Je t'ai déjà dit que tu devrais apprendre le respect. Lorsque les vrais hommes sont rassemblés, tu la fermes. T'es malade. Arrête de parler ici. C'est à moi que tu parles ici. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, arrêtez les mecs. Et pousse ça, mec. Dis-lui que la prochaine fois qu'il me touche, je l'enverrai moi-même dans un cercueil. Ça va, du calme. Mais allez, mec, c'est pas normal, arrête ça. Je n'ai pas peur de toi, tu ne peux rien faire d'ailleurs. Je suis un homme, toi t'es rien. Hé, toi, arrête ça. Calmez-vous maintenant, tous les deux. Pas toi, arrêtez. Je vais te faire mal. C'est bon, calme-toi. Viens, approche-toi si tu l'oses. Ouais, c'est ça, fuis. Dégage d'ici. T'es encore là, dégage. Non, mais... Laisse-le, il ne peut rien faire. Arrête de l'humilier. Je n'ai pas peur de lui qu'il vienne. Je m'en vais. Odera, reviens. Je suis un homme. T'as beaucoup de chance. Je t'aurais massacré. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? Une petite réunion. Et vous avez causé tout ce premier ménage. Hey. Hey, hey, hey. Tu verras. Tu vas le regretter d'avoir insulté Odera. Je t'en ferai voir. On se verra. Idiot. Comment tu vas, mon fils? Bonsoir, maman. Qui sont ces gens? Bonjour, maman.
Eh bien, ce sont des gens du corps médical qui ont été envoyés par l'hôpital. Ils sont ici pour rencontrer Odera concernant les résultats. Vraiment? Bien sûr. Actuellement, il n'y a qu'Odera pour mieux l'expliquer. Mais nous sommes ici pour le problème qu'il a eu après être tombé d'un arbre. Nous croyons qu'il y a un moyen de le soigner gratuitement. Oui. Vraiment? Oui, maman. Gratuitement? Gratuitement. Oui, oui, et maman. Il sera guéri. Oui, oui, maman. Bien sûr, maman. Vraiment. Hey! Dans mon fils Odera. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, bon nous avons une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Quelle est cette nouvelle? Gratuitement. Vous avez dit gratuitement? Oui, exactement, maman. Bien évidemment. Oui. Je vais l'appeler. Va l'appeller. Maman, qu'est-ce va appeler Odera. Maman, c'est terrible. Hein? Maman, je l'ai fait sortir de notre magasin. C'est terrible ce que je suis allé trouver, maman. Je suis allé trouver que mon patron est mort. Quoi? Non. Il doit avoir une erreur. Mon fils ne fera du mal à aucune mouche. Ça doit être une erreur. Maman, à l'instant où je vous parle, les villageois sont à sa poursuite. Mais où? Maman est mort. Maman! Maman! Hein? Maman! Odera! Maman! Maman! Odera, ton fils est mort! Maman! Non, c'est un mensonge! En es-tu sûre? Oui! Frustrated. Onye kam ga kolo wam. The shame is much unaccepted. Obono kam sija. What is life without happiness? Jésus! Quoi? Mon ami. Que Dieu m'en préserve! Que Dieu m'en préserve! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je ne mourrai pas. Tu ne vas pas mourir. Bébé, de quoi parlait ton rêve? Hein? Désolée. Ok, laisse-moi t'apporter un verre d'eau, ok? Donne-moi une minute. Ok. Hey! Odera, après notre dernière conversation, j'ai fait une demande pour une aide médicale pour toi. Et la demande a été acceptée. Hein? Oui. Ça a été approuvé, tu n'auras à payer aucun naira. Je t'assure. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu es sérieux? Très, très sérieux. Docteur. Je suis très sérieux. Docteur, tu veux? Tu devrais juste venir à l'hôpital et c'est tout. J'aurais devenu un homme. Oui. Vraiment? Oui, je te le garantis. J'ai promis de tout faire pour t'aider. Donc, alors. Mon ego revient là à nouveau. Odera, pas besoin de pleurer, pas besoin de couler des larmes. Je ne comprends pas ce que je ressens. Je ne comprends pas. Tu ne sais pas de quoi est-ce qu'on me traite dans ce village. Je suis devenu un sujet de moquerie à cause de ceci. J'ai pris juste Dieu que ça marche. Par la grâce de Dieu, tout ceci fera partie du passé. Merci beaucoup. Je pas ne sais quoi. Vraiment comment te remercier. Il n'y a pas de je quoi. Je ne sais pas comment te remercier. Il n'y a pas de quoi, mon Merci. Pote. Hey, mon Dieu, très bientôt. On nous mouette. On y a là de toi. Je t'en prie. Merci. Bon, hey. Je t'en prie maintenant. Hey, maman. Il fait, mais je suis très content. Mon fils, je te remercie infiniment. Que le Seigneur te bénisse. Je prie le Seigneur que ça marche. Je prie le Seigneur que tout se passe bien. Mon qu'il fils. Qu'il facilite tout. Dieu nous viendra en aide. Tout se passera bien. Amen. Avec un témoignage. Amen. Ton opération sera Amen. Un succès. Amen. Amen.
Tu reviendras et tu auras des Amen. Enfants. Amen. Tu verras les enfants de tes enfants Amen. Jusqu'à la quatrième génération au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, papa. Porte-toi bien. Bon voyage, mon fils. Au revoir. Guano. Baba yo. Tu vas beaucoup me manquer. Je vais également me manquer. Bon voyage. Prends soin de mes parents. Je le ferai. D'accord. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, Dieu merci. Viens, ma fille. Viens là. Au revoir. Viens, ma fille. À très bientôt. Maman. L'opération s'est bien passée. Je t'assure. Merci. Le traitement se passe bien. Oh. Ah! J'ai hâte de retrouver mon mari. Et lui faire l'amour pour la première fois. Je suis si heureuse. Sois lui faire l'amour. Ah! Fille vierge. Je ne comprends pas. Une fois que t'as goûté, t'es calée. Ne finis pas ton Mario, doucement. Je t'en prie, va-t'en, va-t'en. Mais sérieusement. Je pense qu'on t'était encore vierge. Hey, j'aime bien. Moi aussi, je l'aime, non? Moi aussi, j'adore ça. Donc, t'aimes ça? Mon Dieu. À ce moment, j'étais encore à l'école primaire. Attends, 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 attends. Elle est trop rassasiée ou alors elle est enceinte? L'excès de nourriture. Préparez pas ta grand-mère. C'est ce qu'elle a dû avaler. Je le savais. Hein? Parce que je sais que tu ne peux pas faire ça. Je t'ai bien eu, sorcier. Ça t'étonne. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. C'est ça. Taper un autre enfant, ça t'est ta femme. Ça, c'est ce que tu voulais. Honte à toi! C'est ton souhait. Tu l'aurais souhaité. Tu aurais souhaité que ceci, l'œuvre d'un autre homme. Tu penses que tout le monde dans ce village est comme toi? Tu te sentais comme un demi-dieu. Odera ne peut pas enceinter une femme. Dieu t'a humilié. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ross, 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 oui. Odera! Écoute-moi. Alors c'est toi? Non, non. C'est toi qui l'as fait. C'est ta dernière œuvre. N'est-ce pas, c'est toi qui l'as fait? C'est toi qui l'as fait. Dans un autre monde. Écoute-moi, quelqu'un a pris soin de moi. Quelqu'un s'est soucié de ma santé. Quelqu'un a pris soin de moi et m'a amené à l'hôpital. Je vais maintenant bien. Ah, bébé, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. En effet, j'en aurais dit ça. Ifi? Si je t'entends encore prononcer Ifi, prononce encore le nom de ma femme. Je te ferai sauter tous les dents de ta bouche. Tu intérêt à t'éteindre, Caron. Car si toi-même tu joues, je t'enseignerai aussi. Calme-toi. Je vais t'en sortir et tu sauras je suis un homme viril. Écoute-moi, j'ai repris l'école. Très bientôt. Très bientôt, tu verras. Okunno. Bébé, laisse-le partir. Mbi, minabra. Arwacha. Mais je suis encore fâché parce que tu as touché à ma femme. Mais estime-toi joyeux. Comment? Je vais lui dire tel qu'il est. Hein? Il croit qu'il est Dieu. Imagine un peu. Egoïsou. Bébé, tu aurais dû me laisser par là, ce garçon. C'est bon, c'est bon. C'est un imbécile. Le Pinabalawa. Il va comprendre que je suis un homme viril. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, t'as humilié. Gnala, ce sont des jumeaux. Après ceci, je vais encore l'anxiété. Ces garçons, je ne sais pas que Dieu peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas.